Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dream World. On en était où? Qu'est-ce que... Ok, j'ai cru qu'elle était morte au milieu de la pelouse, là. Ok. Bon, bah, allez, continue les constructions des chambres, c'est parfait. Gitana est toujours dans sa chambre de clodo, là. Enfin, peut-être qu'il fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut se faire de beau? Il fait combien? Il fait 23 degrés. Ils ont peut-être pas forcément besoin de parka. Je sais pas quoi faire. Parka. On va faire des t-shirts, je pense, déjà pour démarrer. Des t-shirts. Oui, bah de toute façon, tu prends ce qu'il y a, tu t'embêtes pas la vie. Ils sont combien? 4, on va en faire 4. Ajouter une tâche et pantalon, on va en faire 4. Mince. Bien joué, bonnet. Une veste. En vrai, ouais, on va faire de tout. Chapeau de cow-boy, des bonnets. Comme ça va entraîner. Je sais pas qui va s'y foutre. Mais ça va les entraîner en artisanat. Qui c'est qui est balèze en couture? Vivi. Et Gitana. Pareil, on va les mettre sur 2. Et après, on mettra Gitana à Adler. Alors, ça va, c'est vite, c'est cool. Ah, t-shirt en fourrure de loup, bon. Un pantalon normal. Ok, vêtements en lambeaux. Mais qui a des vêtements en lambeaux? Gitana, c'est quoi que t'as en lambeaux? C'est ta parka. Ouais, bon, tu vas en faire juste après. Un utilisateur de bouclier possède une arme à distance. Ah oui, merde, Vivi, t'as plus besoin de ça, gros. T'as plus besoin de ça, merci. Gitana. Non, je vais juste faire ça. Est-ce que c'est Gitana qui va le prendre? Non, putain, il y en a un autre qui l'a pris. Sinon, c'est bon, il est là. Je veux pas la forcer, si? Bon, on va la forcer, écoute. Prends ça, merci. Ok, normal, normal. Bon, elle fait des pieds. Oh, il va pas avoir cette place. Faut absolument que vous me finissiez. Ah! Une chambre de fête. Attendez, je vous laisse continuer. Foutez-moi l'électricité ici, s'il vous plaît. Hop. Construire une copie. Tac. Paf. Une copie. Bam, bam. Une copie. Bam. Bam. Et bam. Ok. Ah non, il me faut aussi des lumières. Elle est où? Sous l'oreiller là. Ok. Tac. Ah, j'aime bien que ça se ressemble bien les pièces. Il n'y a pas de jaloux. Ils ont tous la même truc, la même disposition. Tout va bien. Les feux de l'amour entre Givitana et Gigi. Gigi. Entre Vivi et Gitana. Plus 4, ça augmente un petit peu. 86. Oui, il y en avait. Pourquoi t'es pas bien? Grosse faim. Bah, mange. Ensuite, on se prend un raid des... Alors, un groupe d'étrangers venus de Anditium est arrivé à proximité. Ils se préparent. Ok, ils se préparent, ça c'est cool. Ils sont 3... Oh là là, fusil à pompe! Pistolet automatique. On se fait enchaîner, hein, quand même. C'est incroyable, les raids. On va voir où ils se posent. Ok, ils se posent par là. On va prendre tout le monde. Venez ici, s'il vous plaît. On va les prendre de court. Ok, c'est parti. Booby vient de foutre là. Vivi vient de foutre là. Gitana derrière l'arbre. Ok. Bonnet. Tire sur lui. Booby. Tire sur lui. Vivi. Tire sur lui. Il est où l'autre avec son flingue? Ok, il est un peu en retard. Gitana, tu bouges pas pour l'instant. Ok. Il essaie de se sauver. Il nous le faut, lui. Hein. Il nous le faut. Bonnet, t'as pris ou pas? Santé. Ah, quand même, hein. Blessure par balle au fusil à pompe. Ouais, ça fait mal, hein. Ok, mais il n'y a pas de truc grave. Ça va pouvoir être soigné. Par contre, je veux qu'on me chope ce salopard, là. Il n'a pas le droit de se tirer. Je les mets en avance. Parce que le temps qu'il se déplace jusqu'ici, lui sera déjà parti.
Bonnet? Bonnet, il a perdu son flingue? Putain, il a perdu son flingue. Viens équiper la carabine. Vas-y, Booby, vas-y. Vas-y. Ah! Ah, c'était mal joué de ma part, ça. Bon. Bon, on va les enterrer là, je crois que c'est le plus près. On a combien de crevés, là? On les tue à chaque fois, par contre, c'est dommage. Non, lui, il est pas mort. Ok. Ok. On va se la jouer, on va se la jouer comme il faut. On va mettre une petite tombe là. Pour enterrer celui qui est là. On va déjà... Tac, tac, tout autoriser. Voilà. Ok. Tu vas chercher le pognon? Non. Bonnet, arrête de bouffer. Tu vas nous capturer. Ah, on n'a pas de lit. Non, arrêtez. Ouais, Gitana, désolé. Hein. Tu dormiras quelque part. Il va mourir ou pas, lui? Santé. 7 heures. C'est chaud. Arrête de bouffer, Bonnet, putain. Ok. On envoie. Booby, tu te prépares. Tu viens te mettre... Ouais, voilà. Va direction là-bas. Ok. Et tu soignes en urgence le prisonnier. Santé. C'est bon. Il est sauvé. Alors, il vient d'où, lui? Villageois de Anditium. Anditium, 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 Anditium. Oh, putain, ils sont... Ok. Ennemis de... Oh, ils sont ennemis de tout le monde. Communauté d'étrangers belliqueux. On va voir si celui-là... Est-ce qu'il est bon déjà? Est-ce qu'on peut le recruter? Est-ce qu'il y a un intérêt à le recruter? 9 en tir, c'est pas mal. Construction 3, ça peut être cool. Intellectuel 6. Bonne mémoire. Ah non, il me le faut. Ah, lui, il me le faut. Il est laid. Bon. Et bigrement laid. Bright est bigrement laid, ce qui a tendance à rendre ses relations sociales plus difficiles. Bon, c'est pas très grave. Fantastique memory pour les détails, l'un de new skills et là. Fait que dans l'apprentissage, plus 25%. Ok. Alors toi, mon petit bonhomme, on va te recruter. Gain de relation à la libération Antonium, ça me marquerait plus 12, ce qui serait assez cool, pardon. Difficulté de recrutement 47%, chance de recrutement 93, résistance 13. Et si on le vend, il vaudrait 175 boules, considéré coupable. Délai entre deux évasions, pas pendant le sommeil. Ok. C'est bon, j'ai même pas vu. Recruter, ok. Vivi qui fait des fringues. Ok, Vivi qui s'est tiré. Excellent, il a fait une veste en excellent. C'est cool. Gitana, est-ce que tu veux pas nous... Ah, elle est en train de papoter, attendez, on va voir si ça se passe bien. On accélère un peu parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Encore un peu. Ok, ok. Résistance de 13 à 12,4. Morale faible, faible opinion. Ok. Ok. Gitana, est-ce que tu peux me virer cette parka là qui a l'air de te saouler là? On l'autorise. Un colon a besoin de soins. Bonnet? Ouais, mais Booby elle l'a soigné, c'est bon. Pas du tout! Booby, putain! Soigne bonnet mercenaire. C'est vrai que je suis mercenaire, c'est incroyable. Oh putain. Je vais passer ça en lit médical. Oh, c'est un enfer. Tu vas venir te reposer jusqu'à guérison complète. Booby, tu me le soignes s'il te plaît. Putain, il est encore un médicament des enfers. Ah, oh, fais chier. Juste avec des herbes s'il te plaît, Booby. C'est bon, il est soigné de toute façon. Ok. Ça, on le repasse en lit normal. On le réaffecte à Bonnet et à Booby. Ok. J'ai plus de bois peut-être là. Non, c'est bon, j'ai du bois. Ok. Vivi, il dort. Oh, capsule de sauvetage. Alors, un faussaire nommé Yuto s'est violemment écrasé dans une capsule de transport à proximité. S'il a survécu à l'impact, il doit être gravement blessé. Yuto n'appartient à aucune faction. Vous pouvez le sauver, espérer qu'il vous rejoigne librement ou le capturer à des fins de recrutement ou d'esclavage. Ouais. Bio. Ah, il peut pas faire d'action violente, c'est-à-dire qu'il peut pas chasser, enfin il peut pas se battre. C'est un artiste torturé. Il se sent aliéné et incompris par les autres humains, il aura une déficience constante d'humeur, il aura une chance 50% d'avoir une inspiration créative après une crise de nerfs. Non, et il est misogyne, Yuno n'aime vraiment pas les femmes, il se met fidèle. Il me casse un peu les bonbons lui. Par contre, il a 600...
On va juste le soigner. On va le laisser partir. S'il nous recrute, on le dégagera de la colonie. Putain, elle dort dans la... Oh là, c'est... Faut que ça aille plus vite. J'ai pas d'hôpital, j'ai rien. Mais qu'est-ce que je fous? Je suis mou, là, je suis mou sur ce game. Hein. Lieu de couchage. Bah, dors dans la cuisine. Tac. Boubi. Il est où? Il est là. Tu viens nous le secourir, pas nous le capturer. Maladie, infection. Putain. Santé. Addiction au smoke leaf, tolérance au smoke. Oh là là, besoin de lui. Oh là 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 là, mort dans 14 heures, il devrait être sauvé. Qui a une maladie encore? Bright. Ah, c'est une infection qu'il a. Légère, faut que je le passe en médicament. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire du soin. Médecine, bonnet. Ah, mais bonnet, il est où? Il est en train de faire le con. Blessure, blessure. Oh, vas-y, t'as plus rien, bonnet. Viens priser le soigner. Ok. Qualité 59%. Ok. Pas trop, par contre, hein. Quoi qu'on veut le recruter. Fais chier. Ah, c'est compliqué, faut tout gérer. Yuto, oh non! Yuto, je te veux pas! Casse-toi! Non, non, non! Oh putain, ils vont faire la gueule, les colons. Non, je te veux pas, Yuto. Tu dégages de chez nous, on n'a pas besoin de toi. C'est où déjà? Social. Non. Bio, voilà. Bannir. Allez. Yuto prendra les objets suivants avec lui. T-shirt en fourrure de panthère. Pantalon en fourrure de cobaye. Ouais, prends tes joints, prends tes cliffs. Tous les colons auront les pensées suivantes. Colon banni moins 3. Ça va, c'est rien. Allez, tu dégages. T'es pas notre pote, on te connaît pas et on te veut pas chez nous. Ou t'y viens, il débarque, il aime pas les femmes, il a un artiste torturé, il n'en veut pas. J'ai entendu un bruit bizarre. Du sang partout là. Oh, mais ça, faut que ce soit ramené ça. On a le fusil à pompe. Ah, y a plus de place en fait, c'est pour ça qu'il ramène pas. C'est qu'il y a plus de place. Merde. Oh putain. Il se détériore vite ou pas le fusil? Parce que c'est le fusil le plus important. Quand même. Chitana. Ne peut pas équiper fusil à pompe normal. Équiper équipement à distance trop lourd. Eh ben tu viens l'équiper normal. Pourquoi tu... Ça tu me l'équipes en... En arme secondaire. Voilà. Voilà. Bonnet. Putain, ça me fait chier ce truc. J'arrive pas à voir s'il a une arme secondaire. Ouais, je crois que oui. Vivi. Je crois que oui. Non, il a pas d'arme secondaire, lui. J'ai des couteaux, là. Ils ont été ramassés? Non, ils sont là. Je les voyais pas avec les... médiocre. Oui, bah c'était pas grave. Les boobies. Une arme secondaire. Ok, je crois qu'ils ont tous une arme à distance et une arme secondaire, du coup. Ok. Il a été enterré, là-bas? Non, ça a toujours pas été fait. La bonnette, c'est ce qu'il va faire, je suppose. Ouais. Ok. Et là, il part... Il part faire quoi? Transporter acier. Non, non, on transporte pas d'acier. Il est où le cadavre, du coup? Il y a un ours, là. Je sais pas. Je comprends pas tout ce qui se passe. Ok. Gitana. Ton lit est arrivé. Et ça, du coup, ça sera la chambre de Bright. Je sais pas comment on va l'appeler. J'aime pas son nom, Bright. Faudra un autre nom. Oh mince, je suis allé trop vite. Voilà. Une lumière. Pourquoi la lumière n'est pas installée ici d'ailleurs? Transporte à 6x5 jusqu'à Wall Light. Ok, c'est bon. Il est transporté déjà, c'est cool. Booby Elder. Juste finir ça. Ok. Il faut un peu de nettoyage. Ok, on va faire une petite... je vais leur demander juste par contre. Là, tac. Ajouter une tâche. Il est où le granit? Là, paf. Répéter... Non. Répétant en boucle. Ok. Ça, on va y détruire. On va y passer en granit. Même la porte. Dès qu'ils m'en auront fait un petit peu.
Il n'y a plus de vêtements. Non, il y a encore un con qui porte un gitana. Putain. Enfin, c'est pas de sa faute, hein, c'est... Allez, qu'on branche ça rapidement. No storage. Ah, il n'y a plus de place, c'est vrai. Voilà. On va... On va agrandir comme ça, c'est dégueulasse, je sais, mais bon. Ça fera l'affaire. Ok. Est-ce qu'on continue de faire... Ah oui, là, il faut que je fasse un mur en granit. Vivi, qu'est-ce que tu fais, Vivi? Mange un plat simple. Très bien. Bah, mange un plat simple. Ok, c'est bon. Il est en train de jouer. Viens me tailler des pierres, un petit peu. 20. Ok. On a une quête. On a une maladie grave sur Bright. L'infection, je suppose, extrême. Infection 78%, progression d'immunité 88, c'est ok. Ça va se faire tout seul. On va regarder la quête juste après. Je veux juste faire ça pendant que j'y pense. Structure. Bim. Mur en granit. Tac, voilà. J'aimerais bien qu'on me finisse ça. Alors, on va faire au plus urgent. Un bouquetin local est devenu enragé. Il attaquera vu n'importe qui. C'est un plaisir, ce bouquetin. Le chitana, par contre, ouais. Maintenant que t'as un fusil à pompe, on va te mettre en mode attaque. Oui, bah viens, mon pote. On va te régler. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Il est là. Il est là. Boubé lui a mis 2-3 balles dans le... Ok, t'es vite réglé. Vas-y, on voit. Ah, elle l'a pris, paf, paf, découpé. Hein. Ensuite, on a une quête. Ah, c'est vrai qu'on en avait encore une, à 15 jours. Faut que je prenne Bonnet. Bonnet est en forme, on va aller la faire. Alors, Blanche, chef du pacte Mabelador, nous informe que des objets valant 640 € sont planqués non loin de chez nous. Ces objets sont Greek sculpture en métal. C'est un chef-d'œuvre. Blanche dit qu'une menace inconnue est possible. Alors ça, c'est cool. Là, c'est un arc et un lit. Ça, c'est cool, mais ça doit peser une tonne. Ouh, putain, et puis c'est loin. Ouh, je sais pas si on va la jouer, celle-là. Je sais pas si on va la jouer. On va aller faire celle-là, c'est sûr. Mais du coup... lui, il est en train de crever, là, parce que est-ce qu'on peut le... Non, il est plus du tout en train de crever. Hein. On peut le prendre en mode attaque. Non, on va... Oh, non, je vais pas me perdre. Muffalo, ils sont où? Ils sont là. Femelle de 2 ans, femelle de 8 ans, femelle de 6, mâle de 10. Bon, et ben tu vas m'apprivoiser celui-là et le mâle. Paf, ça fera des petits. C'est parfait. Ok, on va commencer par ça. Ensuite, là, les chambres sont finies. Il y a les 4 chambres. Ils ont une chacun. Gitana et Vivi, c'est cool, c'est bon. Bonnet et Vivi, c'est là. Et là, ça sera pour Bright. Si on arrive à le recruter, on en est où? Besoin. Éprouve une douleur aiguë, on va s'occuper de toi. Intérieur spacieux, tu vis dans la misère, mon pauvre, mais bon. Ok, social. Ok, plus 15 avec Gitana, plus 2 avec Vivi. Bonnet et Booby, c'est encore des rivaux, par contre. Vivi a dit quelque chose chez des kangourous fous. Bright a plaisanté à propos de petit déjeuner avec Vivi. Bon, peut-être que Vivi va se maquer avec Bright. Pourquoi pas. C'est pas un problème, si ça les rend heureux. Il fait 16 degrés dehors, on est sur du 19 à l'intérieur, ça va, c'est peut-être un peu frais. Elle a un problème. Colombani, c'est juste ça, chambre légèrement impressionnante, ça l'a mangé un peu impressionnante. Intérieur spacieux, sauvé, bon, ça reste encore, ça va pas durer longtemps. Encore 13 jours, mine de rien, ok. On va laisser Booby nettoyer la saleté, ouais, bah si tu veux. Apprivoiser les deux Muffalo. On a de la viande, on a des plats. On va peut-être augmenter un peu les plats par contre. Oula, non, je suis parti en sucette. Oui, parce que si vous restez appuyé, si vous appuyez sur Shift en même temps que sur Plus, ça monte de 100 en 100. Donc c'est cool pour ça un truc. Et sinon, c'est Contrôle. Contrôle, c'est de 10 en 10. On va en demander 20. On va en demander 20. Est-ce qu'elle peut faire des rations de survie? Non, parce que j'ai pas de poste de recherche. C'est vrai que ça n'avance pas du tout. Alors attendez, je prends juste quelques minutes pour essayer de m'organiser un petit peu. Là, le problème, c'est que ça fait miner, en fait. C'est cool de faire en montagne, comme ça, à l'intérieur, parce que du coup, on est protégé, c'est sympa, c'est plus simple à défendre. Mais c'est chiant, parce que putain, la vache... Je ferais peut-être un couloir, là. Faut que je fasse un atelier ici, en vrai, hein. C'est le seul moyen. Mais alors, putain, oh là, terrible. Terrible. Ça, non. Comment je vais m'organiser? Non.
comme ça. Ça fait 3, hein, les établis, là. Donc 3, là, si j'en mets 3, la porte est là. J'en mets encore un là, la porte est là. Ça leur laisse un passage au milieu. Et on les fait en longueur comme ça. Ça peut être intéressant, ça peut être rigolo. Ou on laisse un passage de 2. On va mettre un passage de 1. On va pas partir en cacahuète, 3 de chaque côté. Un établi, établi, établi. Ok, c'est pas mal. Bon. On va se la jouer prévoyant aussi. C'est-à-dire que là... Tac. Mais là... Voilà. Peut-être pas là. Comme ça. Voilà, on va leur faire un passage là. Ça peut être pas mal. Comme ça, on fait 4. Un couloir. Pourquoi je ferai un couloir ici? Je sais pas. On va le faire. C'est pas grave. Vas-y. Pourquoi je ferai un couloir là et pas une chambre? C'est un peu nul ce que je fais là. Là, s'il y a un couloir là, j'ai pas besoin d'en avoir un qui va jusque là de couloir. Non, non, ouais. Ok. Faites-moi ça aussi. Ok, excusez-moi. Voilà, on reprend. Je m'organisais un petit peu. Ok, donc là, ils vont creuser là. Là, on va faire la salle d'atelier. Donc, il y aura le truc de pierre. Il y aura ça. Alors, le truc de pierre, c'est chiant. Parce qu'il faut qu'il soit à côté de ça. On va... Oh là là, cet ours me rassure pas. Boubi. En train d'apprivoiser Buffalo. Ok, on en a apprivoisé un. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui fait que Bonnet, tu vas partir en XP. Tac. Former une caravane pour aller ici. Accepter. Tu vas nous prendre, du coup, le Buffalo. Avec toi. Non, je m'en fous. Là, tu prends quoi du coup? 2 herbes médicinales, c'est bien. 5 riz, ok. 5 rations de survie, ok. Il nous en reste 32, c'est pas mal. Hein. Et vous voyez, là, on est passé à 116 kilos, hein, du coup, grâce au Buffalo. C'est pour ça que c'est hyper important. Ok, on envoie. Votre caravane n'a que 4,9 jours de nourriture. Elle sera rapidement affamée. Alors non, on s'est déjà fait avoir une fois. C'est étendu. Non. Comment, quand j'avais fait l'autre fois? Là. Sélectionnez automatiquement les provisions de voyage. Bah ouais, c'est un peu nul votre truc. Hein. Pars avec le double. C'est bon? Ça marche. Ok. Ok. Donc là, il va charger le Buffalo. Vous voyez, le petit Buffalo qui a une petite selle là. Hop. Et là, ils partent. À la vitesse de la lumière, mais ils partent. Ok. Ça, c'est bon. Eux, ils sont partis. Eux, ça mine. Un grossiste encore. Bah vas-y, viens. Viens, mon pote. On va t'envoyer Booby. Elle va s'occuper de toi. Bright, tu t'en sors mon petit? Une aurore boréale, alors ça c'est cool. Une belle aurore illumine le ciel, les couleurs ondulantes stimuleront l'humeur de quiconque sera à l'extérieur pour profiter du spectacle. Donc là on prend les 3, on prend les 3, ok. On les met au garde à vous, on les envoie là. On attend 5 minutes, paf. Et là normalement, besoin... aurore polaire magnifique. Ah bah c'est cool. Aurore polaire... Oh, voilà, c'est parfait, ça redonne un petit bonus de 14. Cassez-vous. Non, Booby, par contre, tu vas rester là. Il est où l'autre avec son... Voilà. Viens commercer avec lui. Alors, qu'est-ce que tu nous vends? Des poules. Est-ce qu'on veut des poules? Je suis pas sûr qu'on veuille des poules. Hein. Il a pas de ration de survie, c'est dommage. On peut lui vendre encore des trucs. Hein. Oh, le maïs qui est remonté déjà, ça monte vite. Hein. On va lui en donner 500. Le riz, on va lui en donner... 216. Non, j'ai mis 260. 216 pour en garder au moins 500. Oh, les baies, on en amasse aussi. Hein. Et on va en donner... 446. On a 965 en pognon. Gelée d'insectes, on la garde pour l'instant. J'aime fou, on s'en fout. Composants, est-ce qu'on lui en prendrait pas des composants? C'est hyper important, les composants. Il en a 33. Hein. C'est moi qui lui donne 480. Si je lui prends, c'est 33 composants, sachant que j'en ai 35, hein, et 2000 balles. Mais moi, ce que je veux, du coup, c'est lui prendre toute sa thune et ses 33 composants. Qu'est-ce qu'on peut lui vendre d'autre? Le cuir, les fourrures bleues, les machins, qu'est-ce qui vaut cher? L'acier, non, on va le garder, l'acier. Les pantalons, tiens, médiocre, paf. Je te donne mon vieux pantalon. Oh, médiocre. Les deux là. Normal. Un bonnet en tissu, bon. Ah non, ça, c'est lui qui me vend ça.
Une lampe d'extérieur, non. On lui doit encore 360, ça me plaît pas plus que ça de lui devoir de l'argent. Moi je veux lui piquer son argent. La viande, non. Ou alors, on lui donne tout notre maïs parce qu'on a encore beaucoup de pommes de terre, de riz, des baies. Est-ce qu'on prend des risques? Là, on voit que ça pousse pas beaucoup. Hein. On voit que c'est au début, ils viennent d'y ramasser. La pomme de terre, 0,60, ça vaut tout le même prix. Peut-être les baies? 327. Si on garde 500 de pommes de terre, de riz, ça le fait, non? Ça, je lui prends ces 33 composants qui sont hyper importants et son, tout son fric. Moi, ça me plaît bien cette histoire. Ok, c'est pas mal. Bon, on a plus de, on a plus rien, mais on peut chasser au pire des cas. Non, je me fais pas de soucis, je pense que c'était le bon plan. Son passé de 31 à 34, c'est cool. Bright Chef est totalement guéri. L'horreur se finit, mais c'est bon. Bright, est-ce que t'es content? Comment ça se passe ta vie, toi? T'es dans un environnement que je peux comprendre? Alors regarde, je vais te montrer un petit coup de... Hop, ça, ça sera... hop là. Ça sera ta chambre, ça. Tac, ça, on enlève. Hop, Vivi. Force... Non, ramasser... Non, non. N'est pas affecté à surveillance. Qui est affecté à surveillance? Géolier. Boubi et Gitana. Gitana Elder, Boubi. Prisonnier conduit au lit Bright Sheriff. Voilà. Conduit-le à son lit là-bas. Comme ça, là, je te donne une jolie petite chambre. Là, tu te dis putain. Cellule de prison assez impressionnante. Alors, voilà, là, il est content. Il y a une petite dalle. Caravane arrive à la planque. Ok, on arrive. Donc là, il est plutôt content. C'est cool. Faut le nourrir, hein, par contre. Que quelqu'un s'en occupe, s'il vous plaît. Alors là, on a des cochons dingues de full vénère. T'es où, bonnet? T'es là. Ta-ta-ta-ta-ta. Ouais, il les a défoncés. Un colon a besoin de soins. T'as pris beaucoup ou pas? Un petit peu, un petit peu. On va te démachiner. Déjà en train de se soigner. Vas-y, soigne-toi. Ok. Allez, reviens ici maintenant. On va les découvrir là. Il n'y a pas d'autre coup de Trafalgar. Non. Ok, on repart instantanément. Ou alors, on va... Ah non, là, c'est là où on est. Mince, c'est là où elle est. Possible menace. Ouais, je pense qu'on va enchaîner. Je pense qu'on va enchaîner jusqu'ici. Accepter. Alors. Nid d'obéissance. Oui, bah c'est. Oui. Les cochons d'Inde. On prend le lit. 50 kilos, le lit quand même. On prend l'arc. 50 kilos. Il faut pas que l'armoire soit trop lourde par contre, hein. On prend les deux cochons d'Inde au cas où on en ait besoin de les faire cuire en arrivant là-bas. Provision de voyage, tu me prends tout. Ouais, allez, on envoie. On va voir, je teste. Je teste. Donc Bright, là, il doit être bien content. Il a bouffé et tout. A mangé sans table, a dormi. Ah, il fait un peu frais. Il fait un peu... 14 degrés à l'intérieur, hein. Je peux comprendre. Je vais vous poser des petits radiateurs, les gars. Température. Est-ce que un pourrait vous aider? Tiens, apporte le radiateur, s'il te plaît, Gitana. Ok, elle discute avec Bright. Sociabilité, elle est passée à 6. Résistance, 8-6 à 7-6, c'est cool. Là, on a marchandé avec eux, hein, je crois. Oui, nos compensations sont là, c'est bon. 100 miramen et le pognon aussi, là, qui se barre pas avec. Ils sont pas partis avec, hein. 1021, 2000, argent, argent, ok. Les composants, ok, non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un petit coup de stress. Bonnet, mercenaire, totalement guéri. Super, bah continue. Qu'est-ce que... Ah mais ça y est, t'as été dressé, toi. Ok. Alors, oh putain, oui, ça, ça va être chiant. Ok, je vais le faire tout de suite. On va s'occuper des zones. Étendre une zone. Gérer les zones. Moi, je veux la zone verte. Elle est où? Le vert flashy pour les animaux. Voilà. Paf. Celle-là, renommée. Animaux. Tac. Ok. Étendre une zone pour les animaux.
les met un peu au fond de la base. Je veux pas qu'ils aient de soucis si on se prend un... Pas les mettre trop vers les champs, ces salauds. Voilà, ça me paraît pas trop mal, là. Ça me paraît pas trop mal. Ok, et ensuite, gérer les zones. Je veux la rouge, s'il vous plaît. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est pas très rouge, elle. Normalement, il y en a une belle. Une bien rouge. Ah, il va pas me la donner. Il va pas me la donner. Non, pas la rose. Sinon, je vais me perdre. Non plus, excusez-moi, hein, ça prend un peu de temps, mais j'aime bien faire ça proprement. Voilà. On va prendre la 6. La 6, c'est pas vilaine. Ok. Renommée. Alerte. Donc ça, c'est pour planquer les animaux. Tac. Voilà. Planquer là-dedans. Et ensuite, on n'oublie pas, on va là. Paf. On met dans la zone animaux. Comme ça, si on prend un raid un peu trop fort... Et qu'on sait qu'ils vont venir jusqu'à nous, les petits méchants, là. Les raiders. Et bah comme ça, on planque les animaux, parce que sinon, ils attaquent les animaux. Ce qui est hyper pénible. Mais bon, voilà, c'est fait. Ça prend un peu de temps. Ça prend 5 minutes, comme tu diras, mais au moins, c'est fait. Sauvegarde automatique. Ah, encore de la machine à compacter, c'est cool. La bouffe, on remonte en stock. 210 de maïs. Un peu de riz. Ok, ça remonte petit à petit. Ici, on va faire le poste de recherche aussi. Parce que je crois que Bright, si on arrive à le choper, ouais, il peut faire un peu de recherche. Il va bien dépanner en attendant. Alors, prix de vente de l'esclave, 1040. C'est bien cher, quand même. Résistance restante 6-5, chance de recrutement 100%. Difficulté d'enclenchement 47, ok. Non, repassez-le ensemble maintenant. Santé, c'est bon, il est ok, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vis caché que j'aurais raté. Non, il est nickel, 46 balais, il est un peu plus vieux. Ça sera le daron de la colonie. En besoin, manger sans table, à dormir dans le froid. Dans le... Ouais, mais t'as pas de table pour l'instant, parce que t'es dans ta prison, gros. C'est vrai que là, t'avais une table au moins, c'est l'avantage. Ouais, le riz, ça recommence à rentrer. Non, mais on est bien, on est bien. En vrai, j'ai bien fait de lui vendre. Hop, 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 hop. Gitana, vas-y, mange ça, tac. Tu vas faire quoi, là? Prends place simple dans l'inventaire. Non, non, je vais prendre place simple dans l'inventaire. Tu vas me mettre du bois là-dedans. Tu vas même recharger celui-là en même temps. On est où au niveau du bois? 85. Ah, c'est pas beaucoup. On va en couper. Vivi qui se fait un petit billard. Il en est où notre Vivi là? Divorcé de Gitana, moins 20. Rejet de Boubi, moins 5. Trempé jusqu'aux os. Dans le noir. Ah mais t'es un peu chiant, hein, t'es un peu chiant. Colombani, bon ça on s'en tape. Ça dure combien de temps le Colombani? Ah, ok, c'est pas énorme. Bonnet. Bonnet il arrive, hein. Bonnet il arrive sur place avec son Mifalo. Prêt à en découdre. Là par exemple... Ah vous voyez, le mur en granit, il fait zéro en esthétique. Donc c'est mieux ouais, d'aplanir les trucs hein, quand même. Moins 3, c'est... Ah ouais c'est la saleté ça, ok. Voilà, c'est que du positif, c'est juste la taille qui l'a fait chier un peu Gitana. Enfin, Gitana, tous les colons. Mais on va pas leur faire des chambres énormes, je vous rappelle qu'on est en train de s'installer. Vêtements lambeaux, de qui? Vivi, qu'est-ce qu'il y a en lambeaux? Taparka, bah dégage-moi ça. Voilà, et qu'on me la ramène, s'il vous plaît. Il y en a pas d'autres, j'avais pas demandé à faire des parkas. Ah, ça y est, on est arrivé là. Attends. Fabriquer. Ah, il y a peut-être plus de... Ouais, vu. On va la monter. Faut que ce soit la prochaine chose qu'il fasse. Pourquoi il faisait les vestes avant? Je suis resté sur ça, je suis sûr. 168 la joie, ouais. Voilà. Alors, faut pas oublier. Hein. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas, du coup. Sauvage, mais elle m'attaque? Non, pas du tout. Non, parce qu'ici, on sait pas ce qu'il y a comme... Oui, c'est vrai. Non, viens te mettre là. Discret, bonnet. On se faufile. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a? Une embuscade. Vos colons sont dans une embuscade. Ouais, c'est quoi? Oh putain, il est où le Mufalo? Oh putain. Est-ce qu'elle vient sur nous, sur le Mufalo? Ok, elle vient sur nous. Non, mais bonnet, il va la défoncer.
Ouais, elle est au couteau, bichette. Ouais, t'es mal barré, hein. Enfin, bichette, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Une femelle. Ah, ouais. T'as ramassé, ma petite. Bio. Le clan Nara. Ouais, t'es pas mauvaise. Femme taupe, travailleuse, ah, pyromane, c'est chiant. C'est pas ce qu'il y a de pire, mais ça, c'est chiant. Et là, du coup, on récupère ça. Cette magnifique statue. Ouais, c'est stylé. Ça, ça doit être mon pack, hein. Mon pack, mon mode, hein. J'ai installé un mode comme ça. C'est stylé. Et ça, c'est quoi, ça? Refroidisseur. Non, on s'en fout. Ok. Allez, on repart direct, bonnet. On perd... T'es où? T'es là. On perd pas de temps. Bang. Va ici. Maintenant, faut juste espérer qu'on puisse prendre... on peut jamais la prendre, hein. 30 kills. Ok. Mais je la veux. Mais je la veux, mais je la veux. 16 kilos, le cochon d'Inde, là? Mais comment ça? C'est énorme, ce cochon d'Inde, là. Cochon d'Inde, 16 kilos, j'ai jamais vu ça. En même temps, on est dans un autre monde. Ok. Lui, il rentre à la baraque, c'est cool. Là, on a ce pistolet mitrailleur, du coup, qu'on peut rien faire. Ça, c'est chiant, c'est tellement chiant. Je peux même pas le vendre, les mecs étaient pas intéressés. Plus personne... Si, il y a encore un qui est... Putain, oui. Pose-moi cette parka. Il faut... Bon, en fait, vous allez tous la prendre à tour de rôle, quoi. Bon. Ok, il termine les constructions là. Bright. Bright. 47%, 3,2 de résistance, ça arrive tranquillou. Toi, t'as été dressé ou pas, là? Entraîné. Ouais, 3 sur 3, 5 sur 5. Ok, on s'est chargé de toi. Et ça, je crois qu'il peut pas attaquer, ni faire de transport. Suivre le maître pendant la mobilisation, suivre le maître pendant son travail. Non. Son maître, c'est Booby. Parfait. Oh, ça s'est cassé. Vivi, vite. Ouais, bah... Alimente et répare, s'il te plaît. Hop, et là, tu vois, oui, c'est un composant, ça. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre des tonnes. Ah, je suis désolé, hein, je sais que ça avance pas... Oh merde, j'ai coupé un truc en trop, là. Oh, le nul. Risque de démence. Pour Booby? Qu'est-ce qui se passe, Booby? Environnement très déplaisant. Mais t'es où? Ah, ouais, mais t'es dans la truc, ouais. Dans le noir, un manger sans table et un colombani. Ouais, bah ça va s'arranger, ça va. Vous avez bientôt fini, après je vous fais un truc joli. Oui, donc je disais, je suis désolé, ça avance pas très vite, mais c'est vrai que quand on doit miner, et ben c'est hyper long. C'est hyper long. Chaque salle doit être minée au lieu d'être construite comme là, par exemple, où ça allait vite. Mais bon, après ça sera stylé. Ça, on va y démolir. 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 Gitana, tu fais quoi? Tu récoltes le peuplier? Comment ça? Ah, t'es en train de couper des arbres. Ok, super. Non, c'est important, le bois. 96. Et là, tu... Relaxation sociale, toute seule, dans ta cave. Tu files du mauvais coton, Gitana. Ok, on va laisser tourner un peu le jeu, tranquillou. En vitesse 4, de toute façon, ça va assez vite. Il pleut, est-ce qu'on a des ratabous ou des trucs comme ça défoncés sur la carte? Non, on a des alpagas, ça fait assez cool pour récupérer leur... Ouais, leur laine. 11 ans, 7 ans, c'est écrit ici. Hein. Mâle alpaga âgé de 3 ans, c'est pas mal, 3 ans. Mâle, femelle 2 ans, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool pour faire, pour avoir pas mal de fringues. Ouais, si, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Donc ça c'est quoi que j'ai pris? Une femelle, ok. Mâle, 11 ans, un peu vieux toi. 3 ans, ouais, bah on va prendre celui-là. Et là j'ai vu qu'il y avait des... Il y a des beaux bisons là. Mais qu'est-ce que ça va apporter un bison? Un grand mammifère herbivore natif à la savane sauvage. On sait pas ce qu'il fout ici d'ailleurs, dans une forêt tempérée, mais bon. Les animaux domestiques sont assez dociles, mais furieux, ils sont rapides et dangereux. Les animaux domestiqués sont assez dociles, mais furieux, ils sont rapides et dangereux. Ouais, c'est ça qui me fait peur. C'est que si on se rate... Et j'aimerais pas me prendre la meute dans la gueule. Ouais, on va les laisser tranquilles. On est sur les buffalos et les... J'ai perdu le nom. Les alpagas. On va faire ça, c'est cool déjà. Les buffalos pour le transport, les alpagas pour la laine. Ok, vous êtes quoi? Vous êtes inactif ou tout le monde bosse? Non, ça a l'air de bosser. Alors je vais juste... J'ai fait quoi là? J'ai fait n'importe quoi. Ouais, je suis allé trop vite. Je vais juste vous demander... Tac. De me débarrasser ça de là.
Vêtements en lambeaux, il y a encore quelqu'un qui a pris cette foutue parka. Mais pourquoi plus personne me fait de parka? Je sais pas trop ce qui se passe. Je leur donnais trop d'ordre, vu que Bonnet est parti, ils trompent 4-3, faut pas que j'oublie quand même. Et du coup, la couture, vu qu'elle est là-bas au fond, ils ont tout ça à faire avant. Ouais. Plus les ordres comme ça où je leur demande de le faire en direct. On va laisser tranquille. Là, ils vont se coucher, il est 16h. 17h, ils sont au lit. Mais bon, voilà, c'est ce que je vous disais, ils font leur vie. Moi, je préfère les laisser comme ça. Quand on en aura plus, peut-être qu'on mettra, on instaurera quelque chose. C'est quoi? Ah, c'est des chemises et des t-shirts, ouais, c'est rien de très... Au feu. Ah, il y a un truc qui a pété. Ouh. Ah! Ouais, bah, de toute façon, vous allez y aller, oui, voilà. Pas à peine que je me panique, ça vous gère assez bien. Parce que là, on a mis priorité pompier en premier. Ok, donc là, ils ont fini. Alors, faites-moi un petit mur, paf, comme ça. Ainsi qu'une porte en granit. Bang, là, ils ont toujours pas fait ça. Ensuite, est-ce qu'on fait tout de suite aplanir? Ça va être long, là, aplanir. Il y a beaucoup, quand même, à faire. Mais je suis un petit peu obligé, parce que sinon, on peut pas passer les câbles électriques dans ces murs-là. Là, on va mettre une aération, donc je m'en tape. Ouais, on va la mettre tout de suite, d'ailleurs. Paf, paf, paf. On a combien là? 40 minutes déjà. Oh là 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 là. Ça passe trop vite ce jeu. Non, j'ai pas besoin d'une porte en granit pour l'intérieur par contre. Ça passe tellement vite ce jeu. Bon bah écoutez. Il arrive quand Bonnet? Ok, on va quand même laisser Bonnet rentrer tranquillou. Gitana fait le ménage. Il s'occupe du prisonnier. Le prisonnier qui veut pas venir. Hein. Il est pas facile celui-là. 94. Ok, résistance 0. Bobby a réussi à apprivoiser une alpaga, 60% de chance. Elle a nommé Alpaga 1. Bah, très bien. La caravane est rentrée au QG. Non, hop, 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 l'alpaga, tu vas où? Buffalo, pareil, là. Pouf, pouf, zone animaux, animal. Tac, tac, voilà. Vous avez assez d'air pour bouffer ici. Nouvelle recrue, Bright. Yes. Yes, yes, yes. Bobby a demandé à Bright de se joindre à Connie. Bright a accepté. Ça fait plaisir. C'est un chasseur, Bright? Ah, il peut pas l'équiper. Hein. Alors, attendez, on va vite faire ça. Mais attention, les finishes, non, tu vas pas les faire vu que t'as rien. 9? Ah, mais t'es meilleur que... Ok. On est passé en 2, hein, dresseur. 7. Ouais, mais je vais te laisser en... Je vais te laisser en 3 sur dresseur au cas où. Bah du coup tu vas faire ça, elles vont passer en 2, comme ça on pourra faire d'autres choses. Chasseur, bah tu le feras un autre jour. Constructeur, non, j'ai pas besoin de toi en constructeur. Mineur, t'es tellement nul, hein. Bim, bim, voilà. Et ça par contre tu vas nous faire de la recherche dès que ça serait bon. Donc là il va faire du transport, du nettoyage, des trucs comme ça. Ah ça y est, ils ont enfin foutu le chauffage. On est à 20 degrés, 20, 19, ok, alors ça par contre... Oui, c'est plus le truc de prisonnier, c'est la chambre de Bright. Bright. Bright, shérif. Ah, on n'a pas trop regardé sa bio, lui, il faisait quoi, par exemple? Alors, c'est un explorateur d'épaves. Deux générations avant que Bright ne naisse, une guerre apocalyptique plongea sa planète natale dans l'anarchie. Bright était chargé de surveiller les troupeaux de la tribu, mais se dérobait souvent à son devoir pour aller explorer les épaves des vaisseaux de guerre dispersés sur la planète. Animaux plus 3, intellectuels plus 3. Ok. Ensuite, Bright était chargé de l'application de la loi dans une ville industrielle isolée. Il s'occupait de la petite criminalité, du règlement des différends et à l'occasion des fusillades dues à l'état d'ébriété dans un saloon. Ok. Tir plus 4, mêlée plus 4, sociabilité plus 4, c'est cool. C'est vrai qu'il est bon en tir. Ah. Oh non, tu vas rester comme ça pour l'instant. Faut qu'on trouve des armes, qu'on en fabrique. Ok, il est pas mal, hein. Bon, il est moche, pas de chance pour lui. Il va nous faire de la recherche, on a besoin de recherche, hein, parce que là ça avance pas du tout sur la recherche. Je sais pas, c'est écrit depuis combien de temps on est là, là? Jour depuis... On a 42 jours hein, qu'on est là. 42 jours, on a pas trouvé quoi que ce soit. On est encore en train de s'embêter avec ces machins là. Je les ai tous mis en apprentissage. Ok, ouais, c'est bon. Ok, tout le monde a sa chambre, c'est ok. Bah Bright, écoutez, j'ai pas de nom. Vu que j'ai mis un peu mon entourage déjà dans d'autres colons qui devraient arriver par la suite. Bah, si on a de la chance, on va assez loin.
par rapport à des événements. Donc j'ai pas de nom, si jamais quelqu'un veut rentrer dans l'aventure, bah qu'il me le marque dans les commentaires, y a pas de souci. Ça me ferait plaisir et je le rentrerai dès la prochaine vidéo. Et bah écoutez, nous on va s'arrêter ici. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Comme je vous ai dit, si vous voulez rejoindre l'aventure, dites-le moi. Qui veut être Bright le shérif. Et si vous voulez en voir plus, et ben abonnez-vous. Allez, merci tout le monde, à la prochaine. Ciao.